Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler de l'arrivée d'Erling Haaland au PSG. Mais avant de parler d'Erling Haaland qui est selon moi un très très bon attaquant, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Et nous les mecs, on est parti pour parler d'Haaland au PSG. En cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland deviendrait l'une des grandes cibles du PSG. Les prochains jours vont être chauds pour Mbappé s'il a été convoqué par Mauricio Pochettino pour le déplacement à Reims ce dimanche. L'attaquant français continue à être au centre du projet du Real Madrid. D'après les informations de la presse espagnole, un départ est plus que jamais possible pour Mbappé, même si l'émir du Qatar a poussé pour qu'une nouvelle offre de contrat lui soit soumise. En cas de départ, le remplaçant serait tout trouvé avec Erling Haaland qui réalise d'excellentes choses au Borussia Dortmund et est appelé à devenir l'une des grandes stars du football. Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué des discussions poussées entre le PSG et Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, avec une offre de 150 millions d'euros qui serait vraisemblablement en préparation. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport assure toutefois que des sources proches du dossier auraient démenti ces informations, expliquant que le PSG ne préparerait aucune offre de 150 millions d'euros pour arracher Haaland de Dortmund. Voici en tout cas pour cette vidéo Mercato, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. J'ai envie de te dire à la prochaine, salut!